Les choses qui m'ont marqué restent, bon, Ebola, hein, mais on dit au revoir à Ebola depuis 2015. Donc, je pense que c'est quelque chose à saluer tant au niveau du gouvernement et des partenaires qui nous ont accompagnés dans la gestion de cette crise sanitaire. Maintenant, il faut qu'on se rappelle que Ebola n'est jamais réellement fini en ayant une vigilance accrue et en continuant à respecter les règles d'hygiène, parce que quand on les respecte, on dira non également à d'autres maladies qui se propagent par le manque d'hygiène. Également, qu'est-ce qui m'a marqué d'autre? Au niveau du gouvernement, pas grand-chose, en tout cas du gouvernement guinéen, je pense que il n'y a rien d'éclatant qui m'a marqué. Je n'ai pas de souvenir de 2015 qui me dit que quelque chose de très bien a été fait. Je ne dis pas que l'ensemble des activités, l'ensemble des actes posés par le gouvernement étaient négatifs, non, mais pas assez marquantes en tout cas à mon goût. Ce qui m'a marqué vraiment au cours de 2015, c'est d'abord toute cette insécurité dans nos frontières avec Boko Haram qui a dépassé les limites. Au début, on pensait que c'était au Cameroun. Maintenant, on se rend compte que nous ne sommes pas en sécurité. Nos États doivent travailler beaucoup plus sur la sécurité dans nos frontières afin que les citoyens soient beaucoup plus protégés. Parce que déjà, dans nos pays à nous, la démocratie n'est pas aussi forte. Et cette démocratie déjà fragilise le tissu social. Et si cette montée, cette radicalisation de certains individus pour des présupposés tels viennent aussi changer le cours de l'histoire de nos pays, notamment par exemple au Mali, lorsque j'ai été très triste de voir que la mosquée à Tombouctou a été saccagée. Pour moi, c'est vraiment une référence dans l'histoire de nos États en Afrique. Ce qui m'a vraiment marqué positivement, c'est de voir que aujourd'hui, le processus démocratique, hein, en Afrique commence vraiment à s'améliorer. Pour le cas spécifique de la Guinée, les élections se sont passées sans heurts. Les Guinéens ont été, prêtez-moi du mot, très civilisés dans les dernières campagnes présidentielles que nous avons connues en Guinée. Contrairement à ce que nous connaissons habituellement, il y a eu très peu de violence et surtout, cette position de l'opposition qui a eu à passer par des voies légales pour pouvoir contester ou alors affirmer leur position au lieu de passer par la violence ou par la rue, parce que vraiment, c'était pas, nous n'avons pas besoin de cela. Donc pour moi, positivement, voilà cette avancée dans le processus démocratique que j'ai vraiment appréciée et saluée. Et négativement, c'est vraiment cette radicalisation que nous voyons aujourd'hui en Afrique. En parlant du Niger, je dirais vraiment c'est la guerre ignoble que nous a imposée donc Boko Haram, les souffrances vécues par les populations de la région de Difa et les populations également des pays limitrophes que sont le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Beaucoup de familles endeuillées, beaucoup de familles déplacées. Je crois que même ce matin, on parlait de la situation catastrophique de Difa. Donc je retiendrai particulièrement celle-là. Sur le plan politique au Niger, je note avec regret que le climat politique est devenu délétère à la veille de ces nouvelles élections. Donc mon souhait, c'est que
tout redevient normal et que nous mettons l'intérêt de notre pays au-dessus de tout autre intérêt. En Afrique, à côté au Mali, également, vous avez la prise d'otages, par exemple, qui a retenu notre attention. Mais vous avez des effets positifs. Les effets positifs, c'est également donc les élections au Burkina, qui sont très bien passées. C'est également les élections au Nigeria, où vous avez, il y a eu en tout cas un changement, il y a eu une alternance. C'est également en Côte d'Ivoire, où il y a eu des élections apaisées. Sur le plan national, ce qui a le plus marqué l'année 2015, c'est surtout cette tension perceptible à l'approche donc des élections générales. Nous avons eu à organiser beaucoup d'élections dans ce pays, mais de mémoire d'homme, on n'a jamais eu une période préélectorale avec autant de tensions, avec autant d'inquiétudes. Et je crois que toute l'année 2015 a été jalonnée d'inquiétudes par rapport à ces élections-là. Et Dieu merci, depuis deux semaines, on remarque quand même qu'il y a un éclairci par rapport à cette situation, parce que nous nous sommes battus au niveau de l'opposition pour que le fichier électoral soit audité. Pour l'instant, cette tension, en tout cas, que nous avons vécue pendant de longs mois, cette tension aujourd'hui s'est abaissée, mais nous devons rester vigilants, en tout cas au niveau de l'opposition, nous restons vigilants, et nous demandons à la CENI, comme elle a eu à le faire concernant l'audit, de rester toujours droite dans ses bottes et de prendre toutes ses responsabilités, de s'assumer pour que ces élections soient des élections correctes, des élections crédibles, des élections transparentes et inclusives. Parce que tout le monde sait que les problèmes post-électoraux peuvent engendrer des situations qui seront très difficiles à gérer. Nous ne le souhaitons pas pour notre pays et nous pensons que dans cette situation, la CENI a une très lourde responsabilité. En ce qui concerne le plan africain, peut-être, je dirais même sur le plan international, je crois que 2015 a été l'année où le terrorisme a le plus sévi. Il est regrettable que ce soit cet événement-là qui ait marqué le plus la communauté internationale, mais c'est un fait qui est là. Sur le plan national, 2015 plutôt aura été l'année de la grande résistance, j'allais dire active pour tous les Burkinabés. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce 16 septembre 2015. Je me souviens que ce jour-là, nous devons rencontrer la FME, mais les rumeurs les plus folles qui se sont confirmées nous ont plongé pendant une semaine de résistance. Et j'ai là mesuré l'importance de la solidarité familiale et de la solidarité de mon parti. Et j'ai pu aussi mesurer l'engagement sans faille de notre peuple à défendre la liberté, la démocratie au prix de sa vie. Et ce peuple-là, aujourd'hui, constitue un exemple pour toute l'Afrique. Moi, ça, c'est formidable. Je garderai ce souvenir toute ma vie. Et sur le plan africain? Sur le plan africain, ce qui me traumatise, c'est le terrorisme qui frappe à nos portes. Le Mali est éprouvé, le Nigeria,
le Cameroun, bien sûr d'autres pays, l'Europe. Aujourd'hui, ces attentats qui ont été perpétrés en France et dans d'autres contrées interpellent au-delà des États tous les peuples qui aspirent à la paix. Donc, moi, je pense que le Burkina Faso devrait justement anticiper, prendre des mesures idoines de sécurité parce que nous luttons tout simplement parce que d'abord on a la vie. Et je pense que le monde commence à être... enfin, disons, il y a des gens qui perdent la raison. Et les États semblent être impuissants face à cette montée vertigineuse du terrorisme. Et je pense que les nouvelles autorités burkinabées sont très conscientes aussi de ce phénomène. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'année 2015 sur le plan politique au Burkina Faso? Oui, ce qui m'a marqué, c'est la réouverture du dossier Thomas Sankara, avec les interpellations, les auditions et les inculpations. Donc ça m'a vraiment beaucoup marqué. Je ne pensais pas que j'allais vraiment vivre ça en direct, mais Dieu merci, le tribunal militaire, en tout cas, est en train d'avancer dans le sens que le peuple souhaite. La deuxième chose, c'est les élections couplées. C'est l'une des rares fois, pour ne pas dire la première fois en Afrique, qu'il y a eu des élections couplées où, depuis les opérations de vote, le dépouillement, les résultats, il n'y a pas eu de contestation. C'est la première fois en Afrique. Donc franchement, j'ai loué le professionnalisme de la CENI. J'ai loué également le sens de responsabilité des acteurs politiques et des acteurs de la société civile dans ce sens. Sur le plan africain, c'est ce qu'on a appelé les écoutes téléphoniques supposées ou réelles de Guillaume Soro. De mon avis, un homme de cette trempe devrait éviter de tenir ce genre de propos au téléphone. Parce que parler au téléphone aujourd'hui, c'est parler en public. Il devrait vraiment éviter cela. Et la deuxième des choses, c'est qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on ne doit plus rien dans le sang ou par le sang. Donc par conséquent, on devrait effectivement éviter d'appeler à la violence, à la déstabilisation de quoi que ce soit. C'est surtout sur mon pays que je garde une actualité pardon, forte, celle du jeune Berzoum Toutoum, qui par le fait de la violence de la police, la maladresse de la police, l'irresponsabilité de la police a trouvé la mort. Une enquête est ouverte, donc je ne voudrais pas en dire plus, mais c'est une actualité qui m'a beaucoup marqué, frappée par l'attitude aussi du gouvernement, qui aurait pu, avec fermeté, dénoncer ce qui est arrivé, avec fermeté rappeler les responsables à l'ordre, parce que qu'il s'agisse d'une immolation, d'une auto-immolation, d'une immolation organisée par la police, j'estime qu'il y a une faute de la police, et c'est une faute qui a entraîné la mort de quelqu'un, et un État responsable prend ses responsabilités. Pour moi, 2016 est une année capitale pour les Gabonais. Le vœu que je formule, c'est que les Gabonais puissent avoir la chance de connaître autre chose que le périple de misère qu'ils ont connu depuis toutes ces années. Et pour moi, et c'est aussi en rapport avec les convictions que je défends, le départ du système Bongo PDG est la chose que j'espère le plus cette année 2016. Succède en 2015. Vous voyez, 2015 est une année chargée de beaucoup d'émotions dans mon pays.
de beaucoup d'événements heureux et malheureux. Je citerai tout de suite la signature à Bamako de l'accord de paix et de réconciliation qui nous avait retrouvé les chemins de la stabilité. Mais aussi, nous avons en même temps eu un événement tragique. Cette malheureuse attaque de l'hôtel Ardisson qui a vu périr nombre de nos compatriotes et des étrangers. Nous allons donc demander à Allah le Tout-Puissant pour qu'il accorde sa protection à notre pays. Bonjour Président. Oui, bonjour. Courant 2015, quel est l'événement ou quels sont les événements qui vous ont marqué? Je pense que l'année 2015 a été une année très riche en événements. On peut retenir des événements très douloureux, des événements d'espoir. Les événements très douloureux, l'accident ou les morts à Mina, je crois que cela va retenir l'attention parce que c'est la première fois depuis plus de 60 ans qu'un tel accident se fait. La deuxième chose qu'il faut retenir aussi, c'est la généralisation des actes de terrorisme, que ce soit au Mali, ici, que ce soit en Afrique et même dans le monde. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, vraiment on a peur parce qu'il y a des actes de terrorisme très graves. La troisième chose douloureuse que j'ai retenue, c'est l'engagement des jeunes africains, des jeunes maliens à chercher que coûte un meilleur sens à leur vie. Et surtout, tous ceux qui sont morts en traversant la Méditerranée, en traversant le désert, sont des actes très douloureux qu'il faut retenir. Il faut aussi retenir, du point de vue de l'espoir, ce grand sommet pour le climat, pour essayer de réfléchir sur l'avenir de l'Afrique, et surtout l'avenir du monde, de façon générale. Et je dis l'Afrique et le Sahel, parce que c'est l'Afrique et le Sahel qui souffrent le plus des changements climatiques. C'est un moment d'espoir, c'est certainement un tournant. Pour notre pays, j'ai été particulièrement marqué par les difficultés liées à la gouvernance, par l'impunité qui se généralise, par malheureusement des scandales qui succèdent aux autres. Et j'espère vraiment que nous allons pouvoir redresser tout cela. J'ai été aussi marqué, bien sûr, par ces accords qui ont été signés, qui donnaient un espoir de paix, mais qui malheureusement piétinent encore jusqu'à présent, et surtout marqué par la recrudescence de la violence et des actes de terrorisme et de banditisme sur l'ensemble du pays, au nord d'abord, au centre ensuite, et aujourd'hui dans le sud du pays. Donc l'année 2015 a été une année très difficile pour un pays comme le Mali, mais aussi une année difficile pour des pays comme le Tchad, comme le Niger, comme le Cameroun et le Nigeria, suite aux différents actes de Boko Haram. Est-ce qu'il y a l'espoir? Quelques élections réussies, en particulier en Côte d'Ivoire, au Nigeria aussi, c'est de bonnes choses. Et nous espérons que cela va enclencher une dynamique de paix, une dynamique de bonne gouvernance, en tout cas un exemple pour ce faire. Et bien sûr aussi, j'ai failli oublier le Burkina Faso, qui donne aujourd'hui beaucoup d'espoir. Voilà globalement des choses importantes. Mais je note quand même que la pauvreté est là, elle est encore persistante, que les inégalités sont de plus en plus importantes. Donc ce sont des difficultés et surtout malheureusement des ferments qui peuvent contribuer à entretenir la violence. Nous sommes à un tournant difficile et l'année 2016, il y a énormément de défis à relever. Les événements qui vous ont marqué au courant 2015? Il y en a un certain nombre. Mais plus que tout, notre peuple a souffert durant tous ces longs mois. Problème de sécurité, problème de santé, problème économique,
problème de perspective. Et ça, notamment pour notre jeunesse, est quelque chose de préoccupant. Donc plus que les difficultés, parce qu'on peut contenir les difficultés. Et j'ai foi, je le répète, j'ai foi en la capacité des Maliens de se battre, de transformer notre pays, de conquérir un avenir, de le bâtir ensemble. Et nous sommes convaincus que les ententes que nous connaissons aujourd'hui pour la paix, même si sur le fond, l'instrument y servant laisse encore à désirer, mais nous saluons toutes les volontés, toutes les rencontres intercommunautaires, tout le travail qui est en train de faire, l'accélération du cantonnement, l'affirmation des groupes armés de se séparer, de se distinguer des terroristes et du narcotrafic. Donc aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui nous a frappé, c'est ça. Cette volonté de faire en sorte que notre pays sorte de là, la tête haute, avec tout notre peuple, j'allais dire, notre nation, toujours plus diverse, toujours plus unie, toujours plus forte autour de la République et de la démocratie. La citoyenneté, c'est elle qui nous lie, c'est elle qui nous cimente. Nous devons la célébrer, nous devons la renouveler, renouveler chaque jour que Dieu fait notre engagement vis-à-vis de la République, vis-à-vis de la Mali, vis-à-vis de notre nation. Donc à la fois, c'est quelque chose qui m'a frappé, à la fois cette conviction que le meilleur est à venir et qu'on peut le construire. Bonjour madame. Bonjour. Présentez-vous. Je suis Diallo Fatoumata Sakho, je suis membre du PDS. Je suis membre du comité directeur national du PDS. Alors madame Diallo, durant 2015, qu'est-ce qui vous a plus marqué et dites vos raisons? Qu'est-ce qui m'a marqué en 2015? Beaucoup de choses m'ont marqué, mais je vais rester dans mon pays. J'ai été marqué par l'insécurité qui est rampante, qui était au nord, mais qui est un peu partout au Mali. Et j'ai été marqué par les différents scandales politico-financiers, parce que je suis d'un parti de l'opposition, il faut qu'on le dénonce, et je le fais assez. Et j'ai été marqué par la difficulté, je parlerai même de galère, la difficulté quotidienne dans laquelle les Maliens vivent au jour le jour, et surtout les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. Alors concrètement, pourquoi vous avez mis l'accent sur ces... J'ai mis l'accent sur ces différents aspects. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis de l'opposition. Les gens le savent et ils sauront me reconnaître. Et nous avons un rôle en démocratie. Le rôle de l'opposition, c'est certes de faire des propositions concrètes, mais c'est de dénoncer ce qui ne va pas. Moi, j'ai remarqué au Mali qu'il y a eu tellement de scandales politico-financiers. Il y a eu tellement de dérives gouvernementales que... Personne ne le... Est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails? Dans les détails, vous savez, il y a eu le scandale de l'avion, même si c'était l'année passée, mais qui s'est étalé sur l'année que nous venons de finir. Il y a eu les différents scandales, les détournements au niveau du ministère de la Défense. Et il y a eu les nombreux voyages du président qui sont coûteux, qui sont onéreux, souvent pour des raisons et vraiment... Ça dit sans raison d'ailleurs. Et alors que le Mali... est au fond d'un gouffre. Et tous les jours, on pense que nous avons atteint le fond du gouffre, mais on se rend compte qu'il y a encore de l'espace. On descend. Maintenant, on est en train d'atteindre des profondeurs abyssales. Et c'est pour ça que cela me tient à cœur de le dire. Je l'écris, je le crie d'ailleurs, c'est mon cri de cœur. Et il faut que cela change. Et pourquoi moi je le dis? Vous savez, dans les autres pays, moi j'ai la chance de beaucoup voyager. Pour moins que ça, les gens réclament, les gens descendent dans les rues. Je ne veux pas pousser les populations à descendre dans les rues. Mais les gens réclament pour qu'il y ait un changement, mais il n'y en a pas. Et tous les jours, bizarrement, plus on dénonce un peu, parce que je trouve même que mes camarades de l'opposition sont un peu dans l'attentisme, je le dis aux différents partis de l'opposition, je dis aux miens, mais plus on le dénonce, mais plus ça s'aggrave. Donc il faudra que ça change un peu. Alors pour le nouvel an, qu'est-ce que vous, en tant que membre de l'opposition, vous attendez concrètement? En tant que membre de l'opposition, d'abord, j'attends que le gouvernement mette tout en œuvre pour que l'accord soit appliqué. L'accord de paix, dit de paix, qui a été signé le 20 juin passé avec les groupes armés du Nord. Vous savez, sans paix, il n'y a pas de développement. Sans paix, il n'y a tout simplement pas de pays. Moi,
Je vais être un peu dur, mais je me dis que depuis quelque temps, le Mali n'a pas d'État. S'il est vrai que l'État est l'administration d'un pays, nous avons un pays qui n'est plus administré. Le président l'a dit à ses débuts. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, il a eu à dire qu'il a hérité d'un pays sans État. Moi, je pense que c'est maintenant que le Mali est sans État, parce que rien ne va, rien ne marche. Et la mise en œuvre de cet accord qui n'est pas bon, parce que moi, mon parti l'a rejeté, hein. Nous avons dit qu'il n'était pas bon, mais nous l'avons... En fait, l'opposition a pris acte. C'est-à-dire qu'il prend acte consent, ça veut dire que ça ne va pas, mais nous l'acceptons. C'est comme ça que nous l'avons accepté. Mais moi, mon parti, le PDS, l'a rejeté. Et j'ai eu la chance d'aller dans le Nord, de rencontrer les populations de Gao. Je sais ce qu'ils pensent de cet accord. Il faut qu'il soit mis en œuvre pour que le pays décolle. Parce que tout est lié à la mise en œuvre de cet accord-là. Les problèmes constitutionnels, les problèmes administratifs, les problèmes d'intégration, de réintégration et de réinsertion des soldats, des déserteurs qui doivent, ou des rebelles qui doivent regagner l'armée. Tout est lié à l'accord. Même la tenue des élections. Moi, j'ai été candidate aux élections législatives et j'étais peut-être tête de liste en commune 1. Mais avec les nombreux reports, je ne sais plus. Vous savez, c'est difficile de ne pas planifier. Voilà. Donc, il faut que mon premier souci, c'est que cet accord, qui n'est pas bon, soit au moins mis en œuvre. Qu'il y ait un début, en tout cas, ou je ne dirais pas semblant, mais qu'il y ait un début de mise en œuvre de l'accord. À partir de là, je pense que cela peut décoller. Et je souhaite aussi que le gouvernement mette tout en œuvre pour assurer la sécurité des gens et des biens, ce qui est son rôle fondamental. Vous savez bien qu'il y a eu de nombreuses attaques au Mali ici. Et le Radisson, qui était censé être l'hôtel le plus sûr du Mali, a été attaqué. Vous avez vu, c'est des choses que nous voyons dans les films. Maintenant, c'est chez nous et on le vit au jour le jour. On craint, on ne peut plus sortir à 19h. Moi, quand je suis dehors, je suis pressé de rentrer. Et je sais que beaucoup de Maliens sont comme moi. Et donc, je souhaite que le gouvernement mette tout en œuvre pour que la paix, en tout cas, une certaine sécurité, un minimum de sécurité revienne dans notre pays. À mon avis, aujourd'hui, ni l'opposition, ni la société civile ne doit réclamer quoi que ce soit que la paix. La paix pour le Mali et œuvrer pour qu'il y ait la paix. Moi, je félicite d'ailleurs le gouvernement, le parti de la mouvance présidentielle qui, il y a un mois, ils nous ont rencontrés pour discuter des sujets de sécurité du pays. Je les en félicite du passage et je souhaite que ça ne soit pas un mauvais juste pour l'opinion internationale. Il faut que ça soit une réalité. Et mon vœu est que, aujourd'hui, nous, les gens du Nord, on est enclavé. Quand je dis enclavé, ma population souffre parce que la route Ségou et Mopti Gao n'est pas praticable. La denrée alimentaire sont très très chères chez nous. Tout ça, c'est par manque de route. Je souhaite que ce gouvernement veille en priorité sur cette route qui nous relie à notre capitale. Mon deuxième vœu est que depuis le 20 juin, il y a eu un protocole d'accord entre nous et nos frères. Mon vœu est que, immédiatement, le gouvernement fasse le cantonnement afin de faciliter le travail à nos camarades de la MINUSMA et ceux de Barkhane à faire leur travail régalien qui est la chasse au terrorisme. Parce que tant qu'il n'y a pas de cantonnement, il n'y aura pas de paix. Parce que nos camarades de Barkhane, je les vois toutes les semaines, on discute, je connais leurs difficultés. La difficulté aujourd'hui, c'est le manque de cantonnement. Leur priorité, c'est le cantonnement. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre mouvements armés et terroristes. D'ailleurs, la semaine passée, le samedi, il y a eu un incident. Il y a 2-3 mois qu'ils chassent après des terroristes. Au moment où il fallait faire l'opération, les terroristes se sont trouvés entre des groupes armés maliens. Et cela crée des difficultés. Moi, je pense que la priorité des priorités pour le gouvernement malien, et pour le Mali en général, c'est de cantonner ces frères qui ont accepté de signer les accords. Ça facilite le travail à nos camarades de Barkhane et à la MINUSMA pour chasser les bandits, ou sinon des terroristes. C'est mon vœu le plus ardent.
Bonjour. Alors, quels sont les événements qui vous ont marqué au courant 2015? Je commence par le monde. C'est l'émergence de Daesh, la violence terroriste, les morts au Moyen-Orient, en Afrique, en Tunisie, en Libye, à la suite des attaques, des activités de l'État islamique. Les morts en Europe, en France en particulier, un pays ami du Mali et de l'Afrique, un pays où vivent des dizaines de milliers de nos compatriotes. Nous nous sommes sentis concernés par la violence terroriste dans le monde entier, qui fait des victimes innocentes. La guerre au Moyen-Orient, qui a jeté sous les roues de l'exil des millions de femmes, d'enfants et d'hommes. Ce sont là des événements extrêmement graves. Comme je l'ai dit, l'Afrique n'a pas été épargnée, parce que la Tunisie a été frappée, la Libye a été frappée, le Mali a été frappé. Les attentats de la Terrasse, les attentats du Byblos à Sévaré, l'attentat du Radisson Blu en novembre. Tous ces morts sur le territoire malien et bien d'autres. Au nord du pays, dans l'Adrar, au centre, dans le delta du fleuve, dans le delta intérieur, au sud, à Bamako, c'est que la violence terroriste a été la caractéristique de l'année qui s'est achevée. C'est en cela que ça a été une année extrêmement difficile pour le peuple malien, pour les peuples africains et pour les peuples du monde entier. Fort heureusement, il n'y a pas eu que la violence. Il y a eu aussi des élections réussies sur le continent, ce qui est une tendance qu'il faudra encourager et conforter. La plus récente, qui vient d'avoir lieu au Burkina Faso, où le peuple de ce pays a montré une maturité extraordinaire au cours du scrutin présidentiel et législatif qui vient d'avoir lieu. Les élections en Côte d'Ivoire sont une étape importante sur le chemin de la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale dans ce pays. Cette élection qui survient à la suite d'une grave crise post-électoral il y a 5 ans qui avait ébranlé ce grand pays et qui avait ébranlé l'Afrique de l'Ouest, parce que ce pays est au cœur de l'économie sous-régionale. Dans ce pays vivent des millions d'Ouest-Africains, dont des Maliens. Là aussi, quand un tel pays s'apaise, quand un tel pays retrouve ses marques, c'est toute l'Afrique de l'Ouest qui en profite. Sous un leadership moderne, prévisible, avec un programme et une direction qui ont fait leur preuve, la Côte d'Ivoire a montré le chemin que le leadership est extrêmement important pour avancer. L'économie fait des progrès, la croissance est là, le pays se réconcilie progressivement, la paix s'y installe. Je crois que ce sont là des signes d'espoir, des signes d'air frais dont tout un chacun doit se réjouir sur le continent africain. Il faut faire des vœux qu'en 2016, les élections à venir sur le reste du continent soient de la même nature, de la même facture, afin que les peuples africains, qui voient déjà la différence fondamentale entre la démocratie et l'absence de démocratie, réalise qu'il est possible, dans le cadre de la démocratie, de faire des élections dont les résultats seront acceptés par tous et qui nous permettent d'avancer tous ensemble.
pour revenir au Mali. Notre pays, comme le reste de la Oumma islamique, a été endeuillé par les morts de Mina. Des milliers de morts à Mina et plusieurs centaines de morts maliens, des pèlerins qui étaient allés en Terre Sainte. C'est l'occasion de s'incliner devant ces morts et prier pour le repos de leur âme. Pour revenir à la situation politique intérieure du Mali, nous avons eu au cours de l'année 2015 la signature de l'accord de paix d'Alger, qu'avec le parrainant, j'ai considéré comme un acquis, comme une étape de la longue lutte, de la longue quête de paix et de stabilité au Mali. Cet accord porte les empreintes du rapport défavorable pour le Mali dans lequel il a été négocié. C'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est une étape importante de la longue quête de paix et de stabilité au Mali. Et en même temps que cet accord doit être amélioré, que l'on, tous ceux qui n'ont pas participé à l'accord, parce que ne l'oublions pas, c'est un accord qui concerne tout le Mali, mais qui a été négocié avec les seuls groupes armés. Nous appelons depuis plusieurs mois de notre vœu la réunion de concertation nationale sur les conditions d'assurer, de restaurer la paix, la sécurité, la stabilité sur le territoire malien. Nous espérons que les autorités maliennes entendront cet appel. Nous espérons que les autorités maliennes prendront la juste mesure de la dégradation de la situation sécuritaire surtout dans tout le pays, sur tout le territoire. Nous espérons que les autorités maliennes sortiront de l'autisme dans lequel ils se sont installés et qui les empêche de prendre la juste mesure de la gravité de la situation du pays, afin qu'ils associent toutes les forces vives du pays à la recherche de la paix et de la stabilité. L'accord est une étape de la longue quête de paix et de stabilité au Mali, mais l'accord, pour être mis en œuvre valablement, doit pouvoir impliquer l'ensemble des Maliens. Et c'est pourquoi les concertations nationales sur la restauration de la paix et de la sécurité dans le pays, surtout à un moment où la situation se dégrade dans l'ensemble du pays, nous paraissent nécessaires, sinon indispensables. La situation se dégrade. Il y a eu en 2015 plus de 100 morts au Mali, des étrangers et des Maliens. Il y a eu plus de 100 incidents armés au Mali. Et la moitié de ces incidents armés s'est produite après la signature de l'accord de paix le 20 juin. Et justement, pour éviter que l'accord ne soit enlisé, que le processus de paix ne soit enlisé, il est urgent que le gouvernement du Mali sorte de l'immobilisme. Il est urgent que le gouvernement du Mali prenne la mesure de la dégradation de la situation dans le pays, afin que tous ensemble, tous les fils du pays, puissent apporter leur petite pierre à la restauration de la paix et de la sécurité dans le pays. Bien entendu, l'accord a des implications sur la Constitution. Le gouvernement doit avoir le courage de le dire au Mali et aux Maliens. Il faut éviter les faux fuyants et engager, à partir de l'accord, des réformes institutionnelles courageuses dont le Mali a besoin. Nous le disons, nous le répétons, le quinquennat en cours aurait dû être celui des leçons apprises de l'effondrement du Mali en 2012 et des réformes institutionnelles subséquentes. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. La signature de l'accord de paix, avec ses implications constitutionnelles et institutionnelles, la dégradation de la situation de la sécurité dans le pays nous oblige à aller vers ces réformes institutionnelles. À la réforme de la gouvernance, à la refondation de l'État malien, je souhaite ardemment que 2016 soit l'année pour cela, et nous aurons mis avantageusement à profit une année en tirant les leçons de tous les écueils qu'il y a et que nous devons traverser. Aujourd'hui, notre pays fait face à des défis importants. Le terrorisme constitue un de ces défis majeurs
et que cette année qui commence soit une année où, je dirais, nous allons pouvoir avancer sérieusement sur le chantier de la lutte contre le terrorisme, derrière les autorités maliennes et tous ensemble, au-delà de nos clivages partisans, religieux, ethniques, politiques, que tous ensemble nous puissions nous donner la main pour venir à bout de la terreur comme moyen d'expression politique et du terrorisme.